Voilà. Donc, je disais par rapport à la fameuse électrovanne de régulation qui se trouve en bas là. Donc, vous voyez, il est là. Quand le moteur claque, c'est celle-là qu'il faut changer. En général, c'est les fils qui se touchent entre eux. Donc, moi, j'avais essayé de faire comme je peux là. Mais là, il faut aller profond. Donc, pour démonter ça, le problème c'est qu'il y a cette plaque là, on a dit, et elle est prise avec celle-là, qui est prise avec l'alternateur. Donc il faut démonter l'alternateur, déposer l'alternateur, avant de pouvoir déposer, voilà, cette fin, ce goujon là, qui tient, voilà, cette plaque là, qui nous embête. Voilà, c'est cette plaque qui nous embête, voilà, vous voyez? C'est celle-là qu'on n'arrive pas à y aller. Elle est direct sur la deuxième vis. Ici, là. Je vais voir là, si on peut voir quelque chose. Voilà. Donc là, l'électrovanne, il est là. Donc là, c'est cette deuxième vis que j'arrive pas à y accéder. Donc là, je vais pouvoir y aller parce que j'ai tout démonté. Donc voilà. En fait, il faudrait dégager les tuyaux d'injection et déposer l'alternateur. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc là, je vais pouvoir y aller direct avec la douille. Je vais faire comme ça, sans la rallonge. Un T30 et normalement je dois pouvoir y aller. Vous voyez, ça c'est pas compliqué maintenant. Alors, je vais poser le téléphone pour forcer un peu. Bon, voilà, quand c'est démonté, non, maintenant c'est plus facile à la prendre, quoi. Et vous allez voir que, à mon avis, il doit être morte. Donc là, c'est la deuxième vis. Et là, il suffit de tourner un peu parce qu'il doit être prise. Ouais, donc il faut que j'aille en bas pour tapoter un peu pour la faire tourner. Et après, elle vient. Donc je vais la sortir et je reprends après.